Salut, je m'appelle Christian Guétin Badiang, j'ai 22 ans, je suis né au Cameroun et j'ai vécu en Afrique du Sud, donc presque la moitié de mon enfance en Afrique du Sud. Le parcours en Afrique du Sud, j'ai intégré le centre de formation à Eastern Province Kings et après j'ai quitté pour Western Province à Le Cap. Et après ça, je suis reparti au Southern Kings pour la compétition de Pro 14. Et j'ai eu une blessure, donc je n'ai pas pu jouer. Et après, le Covid est venu. Et heureusement, Lucent Nevers m'a donné une chance de venir ici. J'ai pris ça avec les deux mains. Pour moi, je prends les jours comme ils viennent. Je suis arrivé ici un peu très tard, la saison passée, donc ça a pris le temps pour que je joue et tout. Mais les coachs ont eu confiance en moi et j'ai montré ce que je pouvais faire sur les derniers matchs que j'ai joués. Donc là, le focus est sur cette saison et j'ai vraiment hâte de recommencer la saison avec les nouveaux joueurs. Et les anciens aussi. Donc, ouais. Alors, Christian, c'est un joueur qui nous a rejoint au cours de saison dernière. Il a mis du temps à pouvoir matcher, puisque c'est un joueur qui avait peu de temps de jeu sur les derniers mois précédant son arrivée. Et du coup, on a pris le temps de le remettre en forme physiquement. Et puis, il a pu faire les trois derniers matchs de la saison, sur lesquels on a pu constater ses différentes qualités. Pareil, c'est un joueur qui a de la vitesse, de l'explosivité, qui gagne beaucoup, c'est un contre un. Et après, voilà, c'est un joueur qui a que 22 ans, qui a encore une grosse marge de progression devant lui. Et du coup, il faut qu'il gomme un petit peu ses scories, ses attitudes un peu de jeu au sol, ainsi que ses timings sous les ballons aériens. Mais une fois qu'il aura gommé toutes ces petits scories-là, ça pourra faire un joueur complet. On a dit que ici à 9h, les supporters de Lucent viennent vraiment beaucoup. Ils aiment le club et pour moi, j'ai envie de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Et ça serait ma première fois de jouer dans un stade rempli des supporters et tout. Oh, ça commence. On recommence. Wow.